Un peu de culture pour commencer cette semaine avec l'exposition Chouval. L'association Bringing Art expose les œuvres de plusieurs artistes plasticiens qui ont travaillé autour du thème du cheval. Une exposition qui se tient du 24 novembre au 8 décembre dans un lieu atypique, mais qui a du sens pour ces artistes. Grâce, force, élégance, liberté, autant de mots qui décrivent le cheval, cet animal majestueux. Une description qui se retrouve dans les différentes œuvres du collectif d'artistes plasticiens qui se sont penchés sur ce thème. Peinture, photos, ferronnerie et œuvres textiles, le cheval est dans tous ses états. Les artistes se sont donnés à cœur joie, comme sang de plasticienne. J'ai abordé comme n'importe quel thème en fait. Je dirais pas que je travaille tout le temps dessus, non. Mais en fait, ça a été plus un jeu en fait, de travailler sur le cheval, surtout qu'on était parti juste sur une thématique. Donc comme ça, ça a été aussi une approche, une façon de faire croire avec le cheval. Cette exposition se tient dans un lieu atypique, mais en totale adéquation avec le thème. Monsieur Tony Boyer est venu me voir il y a 6 mois en me proposant cette exposition. Au début, c'était un petit peu abstrait pour moi. Il m'a démontré un petit peu l'intérêt de faire une telle manifestation, de lier l'art et la pratique technique de l'équitation. Donc j'ai trouvé l'idée finalement formidable. Et au-delà de l'art, cette exposition a été organisée avec l'aide des recrues du chantier d'insertion, subventionné par la région. Il y a des jeunes qui font partie de l'ACI, dont l'association a monté. Ces jeunes ont beaucoup aimé faire ce travail et participer à l'organisation de cette expo. L'expo est ouverte à tous durant les horaires d'ouverture du centre équestre, de 9h à 18h en semaine et de 11h à 18h le week-end. Le vendredi 8 décembre, le groupe Holiday tiendra un concert au centre équestre de Birmingham pour clôturer en musique cette exposition.